Bonjour à tous, je suis Camille Querec, directrice pédagogique du DU Criminologie et maître de conférence en droit privé. Bienvenue à l'UCLI, sur notre très beau campus Saint-Paul à Lyon, ou notre nouveau campus Alpes-Europe à Annecy, l'un comme l'autre offrant un cadre particulièrement propice aux études. Notre faculté de droit a vocation à former des juristes de qualité, avocats, magistrats, notaires, et pour cela, nous offrons nombre de formations complémentaires en parallèle de la licence de droit, dont le DU Criminologie. C'est une formation sur 3 ans, en complément d'une licence de droit ou en formation continue, et avec 25 places disponibles à Lyon comme à Annecy. Le socle fondamental de ce diplôme universitaire, c'est la diversité de ses enseignements. Des matières purement juridiques, la procédure pénale par exemple, le droit pénal international et comparé, ou la justice des mineurs, et des matières d'ouverture sur les sciences humaines et sociales, comme la psychologie, ou la sociologie criminelle, et enfin des modules de criminalistique ou encore de droit et pratique de la médecine légale. Les effectifs de ce diplôme sont réduits, permettant un enseignement de qualité, de réels échanges et des ateliers pratiques. Cette formation sera en effet ponctuée de conférences, de visites d'établissements et de nombreuses interactions avec des professionnels. Ce diplôme offre également la possibilité d'enrichir son parcours par une réelle ouverture sur l'international. Certains cours seront en effet dispensés en anglais ou contiendront des supports en anglais également. En partenariat avec l'Université de Maynooth, il sera possible d'effectuer un des semestres de la troisième année en mobilité en Irlande. C'est un diplôme qui pourra constituer une grande valeur ajoutée pour divers parcours. Les métiers de l'administration pénitentiaire, par exemple, de la sécurité publique et du maintien de l'ordre, ou encore la magistrature. Cette formation permet en effet d'acquérir de solides bases en criminologie et de pouvoir les utiliser en complément d'autres formations, telles que des préparations au concours ou tout simplement dans son futur métier. C'est un diplôme qui peut donc être effectué en formation initiale, en parallèle d'une licence de droit, ou en formation continue. Les conditions d'admission sont les suivantes. En formation initiale, être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, attester d'une maîtrise suffisante de la langue anglaise, par exemple d'un score minimum obtenu aux examens tels que le TOEFL ou le CAE, et la candidature au DU se fera via Parcoursup, au même moment que la candidature en licence. En formation continue, il faudra être titulaire d'une licence en droit, en lettres ou en psychologie, en sciences politiques ou d'un titre ou diplôme équivalent. Le candidat devra également attester d'une maîtrise suffisante de la langue anglaise. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre site internet ou à nous contacter directement. À bientôt.